Nous avons encore le plaisir de recevoir la émission d'Abissio Alelo, Alongo, Boyebi, combattant, juriste et Azali aussi président. Il y a un mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais. Mirjek en sigle. Bon d'abord Alongo. Mbote Mingi. Voilà, donc Triambio Lelo, c'est vrai que l'actualité est révélée, mais d'abord, tu as le livre dans le publié, je crois qu'il y a un Oyo, on va découvrir dans cette émission d'Abissio. Pour la toute première fois en exclusivité, donc Otiko publie un bouquin, comme on a un titre, pour une véritable révolution du droit procédural de la CPI, sa saisine directe par la personne physique. Voilà, donc à l'Ombo, d'abord on a livré Otiko publié, et puis on a aussi actualité, notamment Fujiad, pour les cas qui sont dans le ministère des Affaires foncières dans le Congo, pour les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été également, on a aussi, on a 1-23, sur le plan de l'Oba militaire, Bazali est effectivement par terre, mais bon, tu es ceux qui va réintégrer ex-combattant il y a 1-23 dans 4 armées, mais surtout selon Awa. Avec alors d'abord, livre Nayo, parlez d'abord de ce livre Nayo, et ça que l'Obé la Nini. Bien, merci beaucoup, Neko Alimia. Au moment où on a commis l'Ikanisia au coma livre, et là, Kingaï, le 13 novembre 2008. Donc, il y a des moko ya biso to salaka moi association la biso ya muke comme nango tingi tingi committee ndeko Marius no Kongele to kené ko déposer nini document moko na cour pénale internationale donc CPI en sigle na la haye et que document on a en principe pour na biso ezalaki plainte Bien, bah, ça, ils sont accusés de réception. Bon, on a un annexe, il y a livre Oyo. Alors, à partir de Wana, quand on ça, ils sont accusés de réception, il y a mon livre, comment qui communication et pas un procureur. Donc, c'est un peu comme si tu as une information et pas un procureur. Or, Bissot, pour la Bissot, et surtout, moi, personnellement, dans ma candidature, on a dit que les alliés, documents, ils ont un caractère accusatoire. Ou bien plainte, Penza. Oui. Alors, dans le monde normal, mais une personne physique, le groupe privé, il y a un statut à Rome, il y a le 17 juillet 1998, on va se rendre compte que dans l'article 13A, 13B, 13C, ils ont le bac que dans 13A, ils ont un état et qu'ils ont initiative, ils ont saisi procureur et la Cour pénale internationale. Article 13B, ils ont le bac que le Conseil de sécurité des Nations Unies a occupé pour saisir procureur, pour co-initier quelque chose sous forme de saisir Cour pénale internationale par procureur pour que l'enquête soit et puis ou soit et puis article 13C, ils ont le bac procureur yemoko akoki na initiative na eko saisir cour donc tribunal cour pénale internationale qu'on saisir tribunal et puis l'article 14 bas le bac esa état ekoki qu'on saisir procureur comme aussi l'article 15 paragraphe 1 et ils ont le bac que procureur na initiative na yemoko. Dans l'article 15, il y a statut à Rome, il y a paragraphe 1, et le procureur d'initiative n'a pas occupé pour saisir la Cour pénale internationale. Alors, devant y a un monde, mais personne physique, ton moto, individu, azawa, pirol, n'a pas été. Personne physique, on va bien en anglais, legal, physical person. Parce que État est allé legal person, c'est-à-dire personne morale. Oui. Mais personne physique, physical person, ou bien individu, à qui jamais, ou particulier, à qui on saisir Cour pénale internationale. Mais donc, et le quoi des révoltes à Kinglai. On a pris cet exemple que, donc, ce qui est dit que l'article 13A, et ce qui est dit que l'État ou saisir procureur, il dit que le Congo, il dit que le Congo, il dit que le Congo, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit saisir procureur, et puis procureur à saisir cour, tribunal, et ainsi de suite. Alors, c'est le procureur lui-même qui. Qui saisit la cour. Non, si le procureur saisit la cour, voilà, tout comme l'article 15, paragraphe 1er. Mais comment est-ce que procureur
ou bien État, ou Conseil de sécurité, va s'occuper de l'Okwara. Alors que, par exemple, tous les exemples dans le Congo, dans le Bakene, dans le Congo, va décimer un village Moubimba et que tout ça, tout ça va survivre. Alors, ta famille, on va se retrouver en Hollande, mais il faut te fondre la paix pour que vous ayez un dégoût. En ce moment-là, bah ok pour coacher ça plainte là parce que ils ont déclaré ils ont recevable et ils ont communication ni quelque chose de salaka na 2008 na deco Marius Nogongele. Alors en ce moment là personne physique ils ont dit bah zo accès à la justice bah zo kangela bikuke pour akuka kota na coupe internationale à fond donc mutoana oyo il faut absolument aller capable état naïe mais pas n'importe quel état tous les états où est signé qui peut ratifier qui statut à Rome il y a le 17 juillet 1998 donc bah état parti alors ceux qui état nabino et on continue donc on continue tout le monde a également Bokenda qui sous la Cour pénale internationale voilà vous saisir en gros par rapport à ko madame Bouzou le Ghana est en bon abisso quoi accuser Rwanda effectivement Rwanda Bazali à la base il y a un génocide en Burkina Faso. Dans mon IP vidéo, on a évité ceux qui vraiment la zone va bien. On parlait sur démarche d'Abino Aliboso, mais vous savez aussi ma démarche, je me souviens bien que on constate qu'effectivement qu'il faut être décisif. Bien, c'est vrai. Ningolo Biwana, mais la salle à Rango, en quelque sorte, net, dans moi, net, ben dans l'animal, dans moi, en co. C'est-à-dire que Nalina Tia, Cour pénale internationale, ton procureur devant ma responsabilité naïe. Bien que vous avez dit que vous y rendez tout simplement. Des communications, ceux qui ONG à saisir pour à saisir procureur, et ça n'est pas à saisir la communication. Et mais moi, je pense qu'en faisant cette communication, nous avons poussé en quelque sorte le procureur à utiliser l'article 15, paragraphe 1, où ils ont le backer, la propre initiative. Mais d'abord, on a répliqué par rapport à Nango, tant qu'on a la communication tout simplement. Signification dans les années et sur le plan juridique, ils ont la valeur en temps on oublie qu'on déposait tout simplement considérant comme une communication, mais sur le plan juridique, ils ont la mettre information comme tout simplement, ils ont la considération. Et sur cas où ça l'enquête n'est pas quitté, moi j'ai eu l'occasion de ça là. Nous sommes comme procureur dans le Congo. Donc, si on quitte quelque part, par exemple, ma boma est mutu dans telle place, c'est juste pour la coïncidence. J'ai le pouvoir en tant que procureur d'interroger toute personne au Namonique à qui peut aider biso pour te retrouver la vérité. Donc, mutu azala mutu dans le pango et quand on a la place ma boma est mutu, la coïncidence quand dans le pango on a bengi bango, on a tout le bango pour le besoin. Il y a enquête pour pas faire ça information. Donc, c'est une information. C'est à moi, donc ça dépendra que de moi. Alors, si comme tant que tu as ma communication en la bureau et à procureur, si vous bureau procureur à conjuguer opportunité et à zoyango en considération, ou bien qu'on boit kayango. Alors, moi je trouve que la paix ça token dans le point d'angaï, considéré on a l'esprit d'angaï toujours comme ma plainte. Alors, en tant que personne physique ou bien groupe privé, si on saisit ton petit information là, on met la puce dans l'oreille à procureur, quitte à lui sico à mettre en mouvement action publique en saisissant par exemple cour de tribunal, ainsi de suite, tout ça, pour que Bakokako. Pour lancer mandat ou bien Koluka, Koukanga, auteur et à crime. Surtout que, bah, crime, on est un crime beaucoup grave. Et ce sont des crimes en vertu, il y a article 29, il y a statut à Rome. Des Ali, bah, crime beaucoup imprescriptible. Donc, les alloco, là, ben, et pas, religieux, l'issoumou, oyo, et l'imisamakate. Ozomona, bon, les alloco, blasphème. Ceux qui ont blasphémé, comme moi, en Zambé, donc, ils allaient vraiment impardonnables. Donc, dernier mon copain, par infraction, on a un trio. Ils ont trio infraction, il y a un crime, on a un génocide, article 6, crime contre l'humanité, article 7, un crime de guerre ou d'agression. Les articles, on a dit 8. Alors, le crime, on a mis ça tout. Et Kokiko, il a mis ça. Sauf que, crime ou abissato ou article 8 et cocotte en vigueur plus tard mais non mais toutefois ça sera à l'heure actuelle
personne physique, ton moto, le quoi, bande quoi, na ya boule dia Congo, ya village ouana, ou bien ONG moko quelconque, a coquille qu'on saisir valablement cour pénale internationale. Alors moi, je me suis insurgé contre ça, je me suis dit non, moi, ils allaient déni de justice. Or, bah, cour moussous, c'est ça qu'on existait. Tout ça, bah, cour loco là, bah, cour européenne, il y a droit de l'homme. Cour européenne à droit de l'homme, d'ailleurs, dans le bien, on a quatre livres, dans le Tozana, maman, Pulcheri Mubilanzi, là. Maman, il y a moi, dans mon coin, il y a mon coin, comme on est Tabita. N'importe quoi, Azala, a 5 ans. Bayaka, nous, on a été bienvenu, Azana, nationalité hollandaise. Hollandaise, pardon, à comment la zaventé, bakanga moi, parce qu'il y a en ordre et visaté, bakangi, tiens, la centre fermée, bah refoulé. Je pense que Makamoya Tabita et Salara tout du monde et que ces problèmes-là avaient suscité, en tout cas, indignation à la communauté internationale, oui. Où Salara que Belgique, Salara est obligé à payer sa moine. Visa, kuna pour moi, la zone, pour moi, la kende. Maman a été dans l'entretemps à saisir ça, car. Cour européenne des droits de l'homme, oui. Que Belgique a condamné pendant le Cameroun, bah tiens, on a la centre fermé ainsi de suite. Donc pour vous dire que maman, une personne physique, état congolais, mais maman Pulcheri Mubilanzi là a saisi ça la Cour européenne des droits de l'homme, une personne physique. Pourtant Cour européenne des droits de l'homme, ils ont concerné état Mokoté, ils ont concerné bah, état Ebélé. Alors pourquoi Bazobo y a que personne physique, Mutumoko a qu'elle nous saisir cour pénale internationale. Bah, bah, on va dossier pour les Kébélé. Mais, minimum, vous créez cour, on va assumer ma conséquence, ou bien vous créez ma mécanisme, ou vous découragez ma Tumisouzou, pour ça, la va finir au mot dilatoire, ma plainte mot dilatoire. Moi, je pense que ce va juste solution, là, ça va. Mais, pour bloquer pratiquement au Kangabi Kuki, Bikuki, pas personne physique à saisir, moi je m'insurge contre ça. Dans ce moment-là, que Zali déni de justice. Et puis en plus de ça, et là, Moussousou, et là, Moussou Zali Boy. Oui. Nenge, ma pays Moussousou, n'est que Rwanda, et signaté et ratifié statut à Rome. Mais ce qui le quoi, Kundabatoire, pour nous, on a livré dans l'aïe, Kundabatoire a sali ma crime, tout, à lui, qui a sa général congolais. Mais tant qu'à Katsi, dans Rwanda, il y a une carte d'identité, on a la salle dans Rwanda. Cela veut dire en d'autres termes que Rwandais, on a pas coquille au Kangaye, t'es. Parce que Rwanda est ratifié. Et ratifié et reconnaissant la compétence, il y a coup pénal international. Mais Ngaï n'a qu'à livre, on a démontré Boui, dans le Bibou, soit total bien. Article 10, il y a statut à Rome et Zolma Cœur. Ma disposition à statut, on a. Donc, contre ta statut, on a à Rome, ma disposition à Rome, ils ont limité tes applications et à droit international. Or, sur total charte des Nations Unies, ils ont fait partie d'un droit international. Tous appellent un principe moko il y a droit international, va bien jus cogens, va bien en open sur jus gentium. Ils allient ensemble de règles et de normes impératives pour ils ont qu'on s'imposer dans un état nyonso. Tous les États, ils ont qu'on s'imposer dans Bangou. C'est-à-dire qu'ils ont Rwanda te ratifié, qu'ils ont ratifié, tes jus cogens, ils ont s'imposer dans tout. Alors, si c'est comme ça, en vertu de l'article 10, parmi les statuts à Rome, ils ont qu'on limité tes applications, il y a des règles, monsieur, à droit international. Alors, on va appliquer l'article 10, ou tout au moins, puisque Rwanda. Par rapport à droit international, à sa membre de l'ONU. Alors, ce qui est total, il ne faut pas appliquer le principe de ce qu'il y a Yus Kogens contre le Rwanda, le Salim Bemba. Et puis, je vais aussi dire une chose. Mais madame va appliquer en haut, c'est ça le problème. Mais pour le pénal international. D'accord, mais si que Kunda, est-ce que Mboga n'a au Congo et déposait déjà plainte contre Kunda? Jamais, pour vous dire que complicité des amis sommet à l'État, pas même ma complicité, moi je pourrais même dire que ma auteur intellectuel. Je dirais que ma co-auteur, il y a ma cabouille, je sais pas, je suis un. Alors, et puis, Nanina a précisé une chose. Dans le livre, je parle de la théorie des pouvoirs, des pouvoirs implicites. Théorie, on a Ezalara, les États-Unis, la Cour suprême, il y a États-Unis, l'Amérique, maintenant il faut utiliser un mot. Mais théorie, on a 1949, le 11 avril 1949, sans que nous voyons en anglais, on va appliquer un mot à avis consultatif, mon retango, un ami, compte Bernadotte, à Baboumaka et à Israël, à Salaké Embuscade, à l'aide de quand on a eu colonel Serro, à Zara Français, quand on va bomir, comme Azaki de nationalité suédoise, la question s'est posée à vous, et ce qui, Suède, vous te réclamez, dommage intérêt auprès d'Israël. Mais l'avis a été donné en ce sens que, Cour internationale de justice, et ça, Cour pénale internationale, c'est pas différent, c'est ça, entre Cour
pénale internationale oui. La Cour internationale de justice. Mais oubliez tout, il faut oui. Là, moi, je ne peux pas comprendre. Oui. Cour internationale de justice, l'article 34 de l'Ombal dit que seul l'État est capable de saisir Yango et Kende Kuna. Mais personne physique, non. Mais la Cour pénale internationale, pourtant, Conclusion, une réponse positive en ce sens que oui, ONU, il faut pas reconnaître ONU personnalité. C'est la première fois qu'il va affirmer qu'il y a personnalité juridique, il y a ONU. Donc ONU, ONU a fondé la justice. C'est-à-dire, dans l'anglais, il y a to sue and to be sued. Voilà. Et alors... ONU, et grâce à la théorie à pouvoir implicite, on va dire que ONU va accomplir la tâche très bien à la pouvoir étendu. À ta pouvoir, on est là qui n'allait pas comme il charte était en 1945. Même les lois, ONU a conquis qu'on s'arroger par pouvoir, nous sommes bien en pouvoir inhérent, par compétence implicite. Alors, moi, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas quand même donner des détails sur les arrêts d'allure. Je crois que tu opportunité dernière question par rapport à livre là yo pour na yo livre là il va porter nini na bat oyo bakotanga et aussi na cour pénale internationale la pendant lobby à la personne physique asa incapable de déposer plainte pour na yo apporter disons et là on yo livre là yo et va porter en plus par rapport au bisou de citoyen. Bien, na wol senga na otanga li sous titre et livre comme ça na répondre on se rokotan la titre ou bien ko lak saba. Oui, mais c'est ça yango le bien avoir pour une véritable révolution du voilà du droit procédural de la CPI. Voilà soukawana. Na banzi soko lak sita lak saba la ni bien. Na lobi pour une véritable entre parenthèses révolution. Il y a droit procédural. C'est-à-dire que pour une véritable révolution, comme pour une véritable évolution. Oui. Donc, mi balèze, on s'applique. Évolution, c'est comme ça. Bah, on a un niveau de la Cour pénale internationale. Il faut pas se rendre compte que Batobaza, pour vivre déni de justice, personne physique. Il faut pas nous moyen si qu'on va faire évoluer Makambu positivement en faveur il y a personne physique. Sauf qu'il peut pas boy. Donc on secoue bango le quoi cocotier. En ce moment c'est la révolution. Révolution au sein contre volonté la bango. Il faut qu'on secoue bango d'une manière ou d'une autre. Évidemment dans ma méthode mon code démocratique même dans ma livre netto comment vous pona pas qu'on va changer. Parce que sur la critique et les kimingi pas qu'on change. Donc moi net par exemple baso balélo que baso quand va africain mingi. Sur critique et les kimingi pas qu'on change. Mais moi je ne suis pas pour que africain va se retirer de la coupe. Le chef de l'État est belé. Alors, le chef de l'État, dictateur, il va se protéger. Le roi Bakanam, mais Abomi Batou, a dit que le crime, ils ont relevé la Cour pénale internationale. Ils ont imprescriptible. Il y a une bombe qui va se retirer. Non, il ne faut pas améliorer. Bien au contraire, Cour pénale internationale, procédure. Mais ils ont la Bafriquet également. Ils ont la Bafriquet, évidemment. Évidemment, Bakanam, il peut me dire que c'est pour le faible, en fait. Non, mais justement, il faut. Le coup pénal international est arrivé parce qu'au Kangafé, bah, occidentaux, voilà. Et après au Kangafé, Tomsou, il y a la puissance, il y a mineur. Pourquoi? Parce que Nengue Daloba qui a rompu la livre Nangai, n'a ni représentant à Haïti. Vous avez dit Haïtien, on a un concert à Jivazo, tout le monde est congolais, mais pourtant, nous avons un respect mingi envers. Alfred Nemours, Azaki représentait Haïti. En 1935, tant l'Italie a agressé à Abyssinie, au Babengi, Éthiopie. Alfred Nemours, à l'Ouagiboué, nous craignons tous d'être l'Italie de quelqu'un, pardon, l'Éthiopie de quelqu'un. Alors, il pour la Nini, principe et Zalini, sécurité collective. Ce qui est l'autre, pas agresser le pays, il faut pas payer l'Union, c'est la société des nations, et ça en a. Pour évoquer la communauté, mais pourtant, on va créer une France, l'Angleterre, plan Mongo-Basalagi, plan Laval, OR. Le ministre des Affaires étrangères ou le ministre français, anglais, il fallait créer plan Laval, OR, Kokabola, Éthiopie, dans deux parties. Côté Mongo, Italien a administré, côté Mongo, Éthiopien. Or, principe, les alliés, voilà,
sécurité collective et les gens qui sont contre moto a violé la loi. Or, il y a un Alfred de Moussa, il sont qui te voient pour respecter les principes qui sont tiens. Craignez un jour que Yopé ose à Éthiopie à Moutoumoussous. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Il n'y a pas que. Voilà aussi, c'est vraiment un dossier en un livre. Secret de Lobanine pour terminer, parce que où est-ce qu'on peut trouver le bouquin? Est-ce qu'il a déjà mis en vente ou alors il faut encore attendre? Bon, justement, là où tu as quelques spécimens, quelques livres, au Bozakomona, spécimens, au Municipe, on a, ils ont en 20 exemplaires, caca, mais là, il n'y a déjà pas éditeur. Dès que éditeur, donc ça va sortir dans un gros lot. Par maison d'édition d'ici quelques semaines. Donc, Bomi apaisé la bino. Donc, mais seulement la carte, il y a livre, mais quand il peut remettre à 7 pour le Kamo, il y a un crime imprescriptible. Tout le monde a dit, bon, vous devez vous faire 97 ans, 97 ans. Mais on ne peut pas tout dire, alors, je ne pense pas que dans l'émission, on ne peut vraiment pas tout dire. C'est qu'on va développer la carte à livre. Voilà. On va quand même laisser la lecteur, on va avoir opportunité au temps en haut. Va découvrir quand même l'élément où ils ont la carte, parce que ça aussi c'est un rôle. Mais justement, le lobby, oui, je ne donne pas tout le contenu du livre. Oui. Mais dans le livre, on a le lobby, dans le livre, l'élément, on a innové Zali, on a créé le concept de Mokoya Sika, génocide à Congo, on a pensé à Mokoya Zai Congocide. Pourquoi? Parce que sur le total, il y a un génocide, depuis Afdel, en 1996, la deuxième moitié, dans le 17 mai 1997 ou 1997. Après, le 97, le génocide, on a appelé génocide, Zaï Congocide. Alors, le 26 novembre, Oyo, Congo Lobby, Nangai, Naba Association, Basusu, t'as organisé une première. Premier événement, la messe pour la Batoubala ta tenue en noir, nous a mardi au Yokuna, le 26, pour reconnaître officiellement et vous avez parlé de justice. Oui. Symbole, il y a justice. C'est la reconnaissance officielle. Donc, comme il n'y a pas de congébélé, il y a un pays au Balingi, démocratie au Balingi, état de droit au Balingi, droit de l'homme, ils ont respecté en haut, pour que va reconnaître le génocide congolais. On a nommé en haut Zaï Congocide. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Voilà, pour terminer. Alors, tout est quand même un deuxième dossier rapidement, parce que c'est vrai que ça nous a quand même pris beaucoup de temps. Alors, deuxième dossier, Zali, par rapport à la fusillade de l'Ekakina Kinshasa, donc le ministère des Affaires frontières. Je crois que ma image, je serais quand même battu belé, au moins quand même un militaire Nabisso, m'a tiré vraiment à bout portant, hein, dans les manifestants, donc ma compatriote Nabisso, Bandeau Nabisso, ma femme Nakinkole, m'a quand même réclamé, disons, Bandago Nabango, ils allaient se polluer, je pense que vous avez quand même le droit à Nabango. Alors, vous le bannez par rapport à moi. Bien, par rapport à l'Okoana, fusillade, on est Salamaki, le ministère des Affaires frontières, oba betaki bande ko labiso ya kinkole oba botola ba oba ba nda ko ba oba mapango na bango abi que voilà le pango ba si ba te ki met aujourd'hui na quelques informations na biso il paraît que c'est Hippolyte Kaname alias Joseph Kabila Mutazui a parti wana Mutazui ba terrain wana mais comment est-ce que ça va et que non j'ai pas information oui tozana biso toza informé à tout moment voilà pe ba soda également ba colonel te dit que non ba information biso tozui ba information bon fiable des particuliers des gens aussi qui sont influents dans la carte régime également bon quel que soit ata ezala kaname ezala bato ba influents. Donc, ils ont tous les influents. Vous voyez que personne n'est au-dessus de la loi. Oui. Expropriation pour cause d'utilité publique, ils ont aussi la compensation. Pour le voler Batou, pour compenser. Je me rappelle, tant que je suis dit, moi je me rappelle toi qui bana miké ma juriste moko bana ko mba brique la bilo ka batou ka ne kuna donc il faut compenser mais comment bino ko to la batou boye boko to la batou bana ko botiki bango boye et pire encore batou ba kei ko réclamer tout ça la pays moko bobi démocratie zali comment va fusiller batou
mais pas passer par Niamaté. Ils ont manqué de maîtrise à la militaire également. Non seulement maîtrise, mais militaire, ils ont service commando, ils ont commandé parce qu'ils sont pas hors des autres talicolos. Oui. Militaire qui ont exécuté hors de l'autre, tant qu'ils ont hors de talicoloté. C'est que parce qu'ils ont tiré, dans mon maman, moi, ils ont pota, moi, si je suis là, tout ça, c'est ça. Ils ont là qui s'accueillent. Pouvoir en place, régime au coup, système en place, ils ont la considération, mon côté d'être humain. Parce que Boma, parce que Mawate. Donc, pour d'abord, ça leur dit absolument rien, mais le peuple ne doit pas causer à effrayer pour le comportement des royaumes. Il y a aussi la population abyssale. Pas observer soulèvement populaire, et ça, unique issue de sortie d'abyssaux pour la Kobeki Samboka, il faut soulèvement populaire. Néma, tu vas à peu près 10 millions dans Congo, dans Kinshasa. Ce qui 3 millions, ça dit soulèvement populaire. N'a pas indiqué par mon côté, par aucun. Par qui dans la voie du Zaïre. Non, pas du tout. Et vous avez la tactique, ou alors tout au moins, bah, soldat. Bande de soldats, parce que mon passé, surtout pour que vous couffiez inutilement, la complicité à l'autorité, il y a beaucoup de contre guerre à M23. Mais la soldat, la paquinda est pour que vous ayez le polo, pour que vous ayez mettre l'autorité hors d'état de nuit. Donc, Hippolyte Kana mena système de nyonso. Bon signé bango bon la patinda il faut protéger peuple et bah peuple va zoom bango boué boué bah que bon ça n'a pas de coup bah ça quand il y a batouana alors bon tia bango hors d'état de nuit bango kamingi bah sala qui ango na Égypte bah soda bah sala qui ango bah longo la qui nini bango gebele. Donc moi je pense que c'est tout à fait normal, sauf que ceux qui va zoom pouvoir boué bah remettre démocratie. Parce que si on va remettre en arrêté et vous créez un problème, et tout le monde est en amour comme sous ma soda, du pouvoir, il va s'accaparer, va accaparer pouvoir, net, tout le monde est en accord. Donc, vous avez encouragé coup d'état militaire, ça, tu as non, coup d'état militaire, ils ont fait partie de la constitution de Bango Mogo, le 18 février 2006, article 64. L'article 64 dit ceci que ce qui bat au bazo, on pouvoir dans ma casse, ou bien bazo, on s'imposer, ou bien bazo, on tricher, ou bien quoi que ce soit. Bah on s'est maintenu dans ma casse, ou bien on exercer ni autorité dans ma casse, pour que l'on soit là-bas, ou bien pour résister contre les amis. Même pas soda, même population. Ce que la population, c'est soulever la population. Quand ces amis, ils ont quoi péter. Ils ont quoi péter. Ils ont quoi résistance. Tout ça. Et c'est ça que nous avons dit, c'est que la Liban, résistance pour la bataille, pour la couper ça souffle, pour influencer la population sur place, pour la population la couper, pour tellement, pour la bengana, banguna, la bataille, parce que nous avons la bango. Voilà, alors dernier point, Lilo, ils arrivent par rapport à M23. Est-ce qu'il faut qu'on intègre l'armée, force armée congolaise, FARDC ou pas? Parce que nous avons déjà muni ces communications, alors pas question, bah, on allait intégrer la force armée congolaise. On a évité point de vue de mes amis. Point de vue, Nangaï personnellement en tant que juriste, dans le biboui. Toute loi, toute loi tendant à amnistier des criminels contre l'humanité, des criminels génocidaires, des criminels de guerre ou d'agression, et plus encore. La loi wana où ils ont tendre quoi amnistier ba auteur ya ba crime wana ezali contraire na Youssou Koguens. Youssou Koguens ezali nini, ezali ensemble de règles et de normes impératives qui se doivent ils ont s'imposer à tous les états sans exception. Alors ce qui le loué amnistier ça arrive pour couvrir ma criminel, amnistier les alliés comptés à Youssou Koguens, les alliés donc nuls. Mais ça, ils ne sont pas d'accord, le gouvernement n'est pas d'accord. Oui, ils sont le gouvernement, ils sont d'accord. Amnistier ma criminel, c'est une, non, ça, ils ont dit. Hein. Oui, donc, gouvernement, ma coquille, non, n'a pas d'attitude à gouvernement ou quoi que ce soit. Donc, vous avez la même logique à faire. Soyez la logique, il y a bien. Même logique. Il n'y a pas de problème. Mais. Et puis, ça explique que ex-combattant va contre l'armée. Que non. Par élément militaire ou criminel, il y a M23 Marocchi, Cocotte, armée nationale, jamais. Et puis, par élément, il y a M23, par opérateur politique, il y a M23, Marocchi, jamais, Cocotte, ça va être une institution, il y a beaucoup. Même ceux qui sont institutionnels, tout ça, qu'on combat, même quoi que ce soit, mais ils ont géré quand même Bandeko Nabisso.
Tozali. Mais là-bas encore, je pense que c'est prévu aussi. Je pense que tous de la quand même signature et la déclaration ou signature. Non, là, la signature dans vos déclarations. Non, non, parce que tu as contenu dans vos, parce que là-bas encore, là-bas, c'est prévu que bah côté effectivement là-bas institution, parce que M23 est commis un parti. Et comme parti politique, hein, donc voilà, donc il est sous d'un côté militaire et parti politique, donc bon, quoi, mais tu sois en bourgogne la. Non, écoutez, mon frère, tout confondre tes souveraineté, yamboka des dirigeants d'un État, consiste à protéger son peuple. Là, si article 16, il y a constitution de Bango. La personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Alors, ce qui l'État, au lieu de censé, et qu'on protéger la population, ce salaire voté, moi je trouve que c'est bizarre que Banima, Yango, Banima qui va M23 contre l'armée d'Abisso. Donc, il faut qu'on ait que Mario Betati. Mario Betati, na Bernard Kouchner, dans le colloque en 1987, la morale de l'extrême urgence. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'État n'a jamais à utiliser souveraineté, parce qu'il faut ressentir la différence entre souveraineté à État, la souveraineté d'un peuple. Et ça, il y a deux choses très différentes. Souveraineté à peuple, et ça, souveraineté à État. Parce que sans qu'il est le peuple, Azali souveraineté, par contre, qu'on utilisait au principe l'ingérence positive, droit d'ingérence, parce que évoquer, on sent que le peuple a sa souveraineté, a décidé oui. L'élection le 28 novembre 2011, mais le monde s'en court, souveraineté à l'État, oh, mais c'est un État souverain, mais alors que nous avons le peuple, alors, et qu'on permet que l'ONU, dans la force extérieure, va intervenir pour mettre fin à oppression, il y a peuple. Voilà, donc, cela veut dire notre autorité, l'abisso, il autorité, il y a un mot, il faut intégrer dans l'armée et puis dans l'institution publique. Un vétoire qui jamais, jamais parti politique, parce qu'ils ont composé dans un criminel, ou va commettre un crime imprescriptible en vertu de l'article 29. Il y a statut à Rome, il y a le 17 juillet 1998. Voilà. Donc c'est simple ça, c'est tout à fait simple. Alors, pour terminer, vous m'appelez aussi ça, Nyoso, alors, on a un dossier à la JB également, parce que tout le monde qui est en tant que juriste, qui est en France, pour la relouka, pour déposer plainte contre. Concert Wana Ibetama, c'est-à-dire concert Wana Ibetama, mais on a habité, bon, dans moins d'un mois, concert ils allaient prévu le 21, au combien à niveau Nini, par rapport à plainte, voilà tout le monde a bien, tout ça, ma démarche, ils allaient déjà, et que, à niveau, il y a France, il a été envisagé en référé, ils ont en cours, Nandeko, Jean-Louis Chimbalanga, et que Bissopé te rejoigne dans le dossier, et puis bon, démarche les alliés en cours, au niveau de la justice, donc comment il t'y couna. Au moment où il référait les alliés, Nini Moko, Bazouarango, Mbaoul. Décision est quoi, Ranoki? Référé, vous savez, moi non, rapidement, urgence, et je sais, urgence, et pour la quoi? J'ai dit, oh, sur le talibien, trouble à l'ordre public, les alliés certains. Bon, mon ami Bino Moko, Batoya, entre guillemets, producteur, parce que jusque-là, on dirait, il y a un flou, il y a un sous, traitant Moko, il y a producteur, oui. Mais producteur, on est ici, à Tindaki, Batoya, Bata, qui, dès qu'on a vu ce Moko, il y a Congolais, moi, l'équipe, il y a ce Moko, il y a Congolais, moi, on a vu ce Bata, il y a Bouki, le Boko. Déjà, il faut que vous voyez, il y a déjà association de malfaiteurs, au y a des crimes, il y a et puis agression, il y a des coups, il y a des coups. Bah, provoquer qui produit. Provoquer ou pas provoquer, attends, bah, provoquer le producteur. Nous sommes dans un état de droit. Il fallait que nous fonda a démontré que tu as la babette, tout le monde a raison. En ce moment, il se rend en justice, il y est encore. Et puis, le 15 novembre, les sous-sous. Le 15 novembre, bateau, bandibou, bateau, toujours dans le même producteur,
bayaki na Château Rouge ko mekalisu magie na bango mais bazwa ki pe mbano na bango et que bakanga ki même misato na bango ba pesa ibango na bango ko mbila. Cela veut dire en d'autres termes que ba élément ko tu ba pesa biso pour la tribunal eux ils ont démontré que c'est une association de malfaiteurs, ce sont des bandits. Oh, effectivement, va trouver hors de public le 21 décembre. Alors, cela veut dire en d'autres termes que Wana Ezali élément associé en haut Nakati a dossier la mission. Donc, ma démarche sur le plan judiciaire Ezali en cours. Et puis, ma démarche mission de Kolo va péter. Donc, toujours sur le plan judiciaire Ezali, d'ailleurs, je pense que Nako éviter Kolo va sur ni Niwana, ni Oso. On a repéré sa bagoule mais elle était mais Bakozala vraiment surpris na ma démarche judiciaire au niveau de Zoro Sala mais bah et bah que même au delà il y a le 21 décembre bah dossier l'amour qui le sous Mingi pour que bah tout moli bah tout bah dossier vous allez toujours même voilà. Phénomène Ngoulou, phénomène trafic des êtres humains tout ça ils en cours ils ont toujours tout tient déjà en marche. Donc, revenir à Longo, merci vraiment pour notre temps. Oyo, na makamnyo sur le bilélo. Donc, écoute, à la prochaine occasion. Merci beaucoup, Longo. Merci, Mingi. De quoi, Limi.